Hello guys, c'était Faustar. Comme dit femme battante là. Voilà, c'est un exemple de femme battante qui est là. Voilà quelqu'un qui n'a pas d'excuses. C'est une personne comme ça, on pensait qu'il doit s'asseoir et puis se coucher à la maison. Et puis chercher à tendre la main à toute personne qui va venir sur le méta. Ou toute personne dans la rue. Mais on peut même couper même, c'est-à-dire oignon, tomate, avec un bras. Franchement, chapeau à la sœur. Je ne sais pas qui elle est. Je vais essayer de Google pour voir son histoire. Mais chapeau à elle. Aucune excuse pour vous qui avez vos deux membres au complet. Vos deux pieds, vos deux bras, vos têtes même encore sur vos épaules. Aucune excuse. Aucune excuse. Voilà une dame qui est là, qui va attacher son pain. On lui a posé une question. Comment elle fait pour attacher son pain? Elle dit que c'est facile même. Elle dit que c'est facile. La partie à jamais, vous allez l'écouter. Coucou les amis, lisez ce commentaire là avec moi. Comment tu fais pour attacher le pain? Ah, voilà ça d'air. Voici mon pain aussi. Hé, hey, il est mort, c'est pas mon pain, c'est le pain de ma maman. Elle est venue me trouver ici. On n'a pas dit on est jeune fille, on n'est pas payé pain. Voici le pain. T'as vu comment il est fait? Là, comment tu, si tu vois. Voilà ça. Tu prends. Tu fais. Il vient ici. Attache comme ça. C'est simple. C'est pas compliqué, bébé. C'est pas compliqué. J'ai attaché mon pagneau. À la maison, c'est qui va m'aider. Je suis seule, c'est moi qui fais tout. C'est encourageant. C'est encourageant de voir des gens qui ne prennent pas leur handicap pour faire de la mendicité. Quand on sait qu'il y a des gens qui sont blogueurs, il y a des gens qui sont des publics figures, qui sont des personnages publics en français, qui se permettent de faire des choses qui enfreignent leur dignité, ça, c'est honteux au fait. C'est honteux. Donc je partage cette vidéo. Je suis tombé sur cette vidéo. Elle lave son habit elle-même. Elle était dit. Puis elle est contente. L'Afrique même est beau, quoi. C'est beau, l'Afrique. T'as dit, les gens sont dans la galère, mais ils ont la joie de vivre. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour nous autres qui avons la chance d'être en Europe. Quand on regarde ce genre de choses, ça nous donne encore plus de courage de vouloir peut-être aider certaines personnes qui ont besoin d'aide. Pas des personnes qui sont de mauvaises intentions. Voilà. Elle fait son boulot. Dans cette vidéo, elle a parlé de... Elle a dit un jeton là, que je sais pas c'est combien. Je vais mettre la partie, vous allez me dire c'est combien. Je sais pas si c'est 10 000, mais 5 000. Parce qu'elle dit qu'elle fait ça pour gagner son... Je sais pas si elle a dit son bon, mais je sais pas quoi. Je vais mettre la partie, vous allez me dire en commentaire c'est combien. Je pense que c'est... J'espère que c'est 10 000. J'espère que c'est 10 000. Mes abonnés, la star grâce est venue terminer au bout. Donc, si elle finit une tête, quand elle est baissée sur une tête. Donc, c'est tellement rapide que je perds le bar. Il est fini, elle même met des bons gabas. Voilà la sœur qui est là. Si vous tombez sur la sœur, franchement, encouragez-la partout où vous la voyez. Voilà, je pense que nous qui avons la chance d'être nés de bonne manière, c'est-à-dire, on doit juste praise Jéhovah. On doit être reconnaissant à Dieu. Des membres que nous avons accomplis. On doit être reconnaissant à Dieu pour la santé que nous avons. On se plaint à chaque fois. Alors qu'il y a des gens même qui aimeraient être à notre place. Donc c'était une vidéo de sensibilisation pour dire qu'on arrête de se plaindre à chaque fois. Il y a des gens qui vivent des situations plus difficiles que nous. Soyons contents. Soyons heureux d'être au complet. Voilà. Des Faustar, portez-vous bien. Bye.